Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, j'avoue être assez débordée. Je continue donc là les compléments Android et aujourd'hui je vais vous montrer comment on transforme une image en texte et vice-versa. Alors quel est l'intérêt? Eh bien tout simplement si vous voulez transférer une image via le réseau pour pouvoir ensuite sauvegarder par exemple dans une base de données ou transférer vers un serveur, eh bien vous êtes obligé de transformer en texte. Et si vous voulez récupérer une image via le réseau, pareil, vous allez recevoir un texte que vous allez retransformer en image. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. On va l'appeler Bitmap to String. Par exemple, bitmap to string. Alors, je ne vais pas vous montrer dans ce projet comment on envoie via le réseau. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le TP Android. Je vous mettrai les liens à la fin de la vidéo. Là, je vais juste vous montrer comment on fait pour transformer, pardon, une image en texte et vice-versa. Donc, vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer l'image. Ensuite, vous gardez l'API 23, très bien. Et puis, vous gardez l'Empty Activity et comme nom Main Activity. De toute façon, on n'aura qu'une activity à créer. Et à partir de là, ça va créer le projet. Une fois le projet créé, on va tout de suite aller dans Activity Main pour pouvoir créer un petit peu l'interface. Donc vous allez supprimer le Hello World, vous le sélectionnez et vous appuyez sur Supr. Avant de positionner les différents éléments, on va s'occuper de copier une image à l'intérieur du projet parce que je ne vais pas vous faire travailler avec une récupération d'image directement dans le code, on risque de perdre du temps. Toutes ces notions-là, on les a vues dans des vidéos précédentes, hein, comment prendre une photo, comment récupérer une image du smartphone, etc. Donc au niveau des dossiers, vous allez aller dans le dossier où il y a donc votre projet, Bitmap to String, vous allez dans APP, dans SRC, Main, Res, Drawable, et dans ce dossier, vous allez tout simplement copier une image de votre disque, hein, une image bitmap. Donc voilà, donc une fois que vous avez copié votre image, vous allez pouvoir continuer à travailler sur le projet. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'interface, vous allez commencer par placer en fait un conteneur. Donc vous allez dans conteneur et vous allez mettre un scroll view parce que on va avoir besoin, donc vous le déplacez ici le scroll view, parce qu'on va avoir besoin de balayer donc la fenêtre hein, en hauteur, de façon à avoir l'image, puis en dessous le texte, puis en dessous encore l'image. Vous remarquez qu'à côté du scroll view, il y a une petite flèche. Si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il contient déjà un linear layout vertical. Et c'est ce qu'on veut, hein, puisqu'on va placer les informations les unes en dessous des autres. À partir de là, vous allez commencer par placer une première image. Donc, vous allez dans les widgets et l'image view, vous la glissez ici. Alors, il vous demande, vous savez, toujours par défaut, de mettre une image qu'on peut changer ensuite par programme. Hein. Donc là, vous allez dans les Drawables, vous ouvrez Project et vous allez retrouver, vous voyez, l'image 1 que vous avez copiée dans le dossier. Donc, vous sélectionnez cette image et vous faites OK et elle apparaît directement, vous voyez, dans l'interface. Alors, vous allez tout de suite donner un ID à cette image et vous allez l'appeler, par exemple, IMG Bitmap. Voilà pour l'image. Alors ensuite, on considère cette image, on veut la transformer en texte. Donc, on va rajouter ici un bouton. Donc, vous allez dans les buttons et vous glissez le bouton juste en dessous. Voilà. Alors, ce bouton, vous allez tout de suite lui donner un ID. Vous allez l'appeler BTN Bitmap to String parce que ce bouton va permettre de transformer en string l'image qui est ici. Et puis au niveau du texte du bouton, on va lui donner le texte bitmap vers texte. Voilà. Voilà, donc là, on a déjà nos deux objets. Alors évidemment, ce qu'on veut, c'est ensuite afficher le texte correspondant. Donc vous allez dans le texte et vous faites glisser un text view. Alors on n'affichera pas tout le texte. On va se li limiter en taille, en hauteur, hein, parce que évidemment le texte issu d'une image est très long. Hein. Donc là, vous allez l'appeler, enfin vous allez donner comme idée TXT bitmap, par exemple. Voilà. Et vous allez, alors la partie texte, bon déjà on va préciser le nombre de lignes, donc on va aller dans Max Line,
Alors, max line, voilà. Et on va dire qu'on veut 10 lignes maximum. Vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus grand hein, en réalité. Mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, la zone de texte, on va la vider, puisqu'elle sera remplie avec le texte généré par ce bouton. Et puis, ce qu'on veut maintenant, c'est un nouveau bouton pour vous montrer qu'on peut reconstruire l'image à partir du texte qui est ici, hein, puisque je vous ai dit que j'allais vous montrer dans les deux sens. Donc là, je reprends un bouton, je le mets ici, en dessous. Ce bouton, je vais l'appeler ben, le nom inverse du précédent, c'est-à-dire BTN String to Bitmap. Bitmap, voilà. Ok, et au niveau du texte, je vais préciser ben, le contraire aussi, c'est-à-dire texte vers bitmap. Ok, il ne reste plus qu'à rajouter un image view juste en dessous. Donc je vais à nouveau dans les widgets, je vais prendre un image view et je le mets en dessous. Alors encore une fois, il me demande, vous savez, de sélectionner. Alors ce coup-ci, sélectionner autre chose. Hein. L'idée, c'est évidemment de pas mettre la même image et de vous montrer comment on va insérer une nouvelle image. Vous doutez bien que ça, vous pouvez par programme aussi vider, hein, mettre une image vide. Donc ça, c'est pour aller plus vite que je prends n'importe quelle image. Et là, évidemment, on va à nouveau lui donner une idée et on va l'appeler IMG Result. Voilà, notre interface est terminée. Donc vous avez compris le principe. Ce qu'on va coder, c'est le clic sur ce bouton qui va nous afficher le texte dans cette zone-là. En tout cas, on verra une partie du texte pour bien vous montrer qu'effectivement, il y a transformation de l'image en texte. Et on va coder le clic de ce bouton qui va, à partir du texte, et non pas de cette image, mais à partir du texte, recréer l'image correspondante. Alors pour cela, on va dans Main Activity. Dans Main Activity, on va commencer par déclarer tous les objets graphiques sur lesquels on va travailler. Alors pour aller plus vite, je vous fais une copie de ces déclarations. Alors vous voyez qu'il ne reconnaît rien, c'est normal. Hein. Si vous aviez écrit ImageView espace, directement il vous aurait intégré ImageView dans les imports. Là, je suis obligé de me positionner dessus et de faire Alt Entrée pour qu'ils le reconnaissent, pareil pour le text view et pareil pour le button. Donc là, vous voyez, alors j'ai donné les mêmes noms que les idées que j'avais mis par habitude, hein, que j'ai mis dans Activity Main. C'est absolument pas obligatoire, hein, je vous rappelle, hein, mais ça me permet de mieux les repérer. Donc là, j'ai déclaré mes 5 objets graphiques avec lesquels je vais travailler. Et évidemment, je vais devoir les lier aux objets graphiques, hein, comme d'habitude, de Activity Main. Donc là, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais créer une méthode non événementielle que je vais appeler initActivity. Donc cette méthode non événementielle, évidemment, il faut que je l'appelle à la fin du onCreate. Alors on va tout de suite mettre le commentaire habituel. Initialisation des objets graphiques. Alors on l'a vu plein de fois, donc je ne vais pas les réécrire un par un, je vais directement les copier pour aller plus vite. Normalement vous connaissez le principe, mais je réexplique rapidement. Vous voyez que le IMG Bitmap par exemple qu'on a déclaré ici, on va le lier en faisant un Find View by ID, hein, on va rechercher par l'ID IMG Bitmap qui est dans Activity Main. Et on va le lier à notre propriété locale IMG Bitmap. Donc au lieu d'écrire tout ça à chaque fois, je n'aurai plus qu'à écrire IMG Bitmap pour pouvoir manipuler ce qui est dans le Activity Main. Ensuite, j'ai besoin de m'occuper de l'écoute des boutons. Alors je vais créer une autre méthode privée void et que je vais appeler écoute bouton. Je vais mettre directement les deux dans la même méthode. D'habitude je sépare, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible de faire les deux en même temps. Du coup, bien sûr, écoute bouton, je vais l'appeler à la fin de initActivity. Et là, je vais tout de suite mettre le commentaire correspondant.
Donc méthode événementielle, événementielle sur les boutons. Voilà. Donc là, ça fonctionne comme d'habitude, c'est que vous devez partir d'un bouton, donc BTN bitmap to string par exemple. Vous lui appliquez la méthode setOnClickListener et dans la parenthèse, vous faites un new button. Donc vous prenez button, alors il vous met des parenthèses qu'il faut enlever. New button.onClickListener. Voilà, il n'est pas content, c'est normal parce qu'il faut redéfinir une méthode. Et là, si vous cliquez sur la petite ampoule rouge, il suffit de faire implément méthode et de faire OK. Et il vous rajoute la méthode correspondante. Alors, je vous rappelle que bon, on a l'habitude d'enlever le commentaire qui ne sert pas à grand chose dans ce cas précis. Et là, donc, à l'intérieur du onClick, on mettra le code qu'on veut exécuter lorsqu'on clique sur ce bouton. Alors on va faire la même chose, on va aller plus vite, on va faire un copier-coller pour le second bouton. Voilà, alors évidemment c'est pas btn bitmap to string, mais cette fois-ci c'est btn string to bitmap. Voilà, donc on est d'accord que là c'est... dans ce cas-là en fait ce qu'on veut c'est transformer l'image en texte. Donc transforme l'image en texte. Et dans l'autre cas, c'est le contraire. Donc, transforme, s'il peut le faire, bien sûr, le texte en image. Voilà. Bon, il ne nous reste plus que à faire l'essentiel du programme, c'est-à-dire cette fameuse transformation. Alors, pour cela, on va avoir besoin de méthodes non événementielles qui permettent justement cette transformation. Donc, on va créer... en privé, alors c'est le genre de méthode qu'on met plus dans une classe séparée, une classe d'outils, parce que c'est le genre de choses qu'on va utiliser plusieurs fois. Donc là, je vais créer en statique une méthode que je vais appeler bitmap to string. Quoique, je vois pas pourquoi je la mets en statique. En fait, elle aurait un sens d'être en statique si elle était effectivement à l'intérieur d'une classe outil que l'on ne va pas instancier. Donc là, je peux effectivement la laisser tout simplement comme ça. Donc bitmap to string et qui reçoit donc un bitmap. Donc je vais appeler bitmap, voilà. Et qui va évidemment nous retourner un string. Voilà. Alors je vais tout de suite préciser... transforme, on va y arriver, donc transforme un bitmap en texte. Voilà, alors comment va fonctionner cette méthode? Eh bien on va créer un stream qui va nous permettre en fait de récupérer déjà la version binaire de l'image. Donc pour cela vous avez besoin de la classe byte array et c'est bien le output stream. Voilà, donc on va l'appeler stream tout simplement. Très bien, et vous instanciez la classe, donc new byte array output stream qui n'attend aucun paramètre. Une fois que vous avez fait ça, vous devez compresser l'image de façon à ce qu'elle soit réduite au maximum, puisque de toute façon c'est dans le but d'un transfert, et vous allez la compresser et l'intégrer donc dans le stream. Donc vous partez du bitmap, du paramètre, vous appelez la méthode compress. Cette méthode compress va attendre donc un format d'abord, donc vous allez prendre bitmap.compress format, voilà. Et là, vous allez préciser .png. Parfait. Ensuite, vous allez préciser le taux de compression, la qualité en fait. Et vous allez préciser dans quel stream vous allez mettre le résultat. Donc là, c'est le stream qu'on vient de déclarer juste au-dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer un tableau de bytes qu'on va appeler
Invite Art, par exemple. Et pour ce, vous allez partir du stream que vous avez créé et que vous allez changer en tableau de bytes. Il ne reste plus qu'à faire l'encodage et que vous pouvez retourner directement. Donc pour ça, vous passez par la classe base 64. Alors, je suis allé trop vite. Voilà, base 64. À partir de cette classe, vous allez appeler la méthode encodeToString qui attend un tableau de bytes, donc le byteArr qu'on vient de créer. Et en deuxième paramètre, on va mettre 0, et j'avoue que je ne me rappelle plus à quoi correspond ce paramètre, le flag. Une fois ceci fait, ben c'est terminé pour cette méthode. C'est-à-dire que là, on a demandé la transformation d'un bitmap en string. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser directement dans cette méthode événementielle. Alors, dans un premier temps, pour appeler la méthode bitmap, alors attendez, oui c'est ça, donc pour appeler bitmap to string, il faut que je lui envoie un bitmap. Or, ce que j'ai, c'est un ImageView, c'est pas un bitmap. Donc la première chose, c'est qu'il faut que je transforme mon ImageView en bitmap. Pour cela, je vais déclarer donc une variable que je vais appeler bitmap. Et je vais récupérer mon image bitmap en récupérant la partie drawable, donc un get drawable. Voilà. Donc ça, il faut que je le transforme en bitmap drawable. Donc je fais un transtypage en mettant devant bitmap drawable. Et tout l'ensemble, une fois qu'il est transformé en bitmap drawable, je vais pouvoir récupérer le bitmap correspondant, donc le get bitmap. Cette fois-ci, j'ai bien récupéré la version bitmap de mon image que l'on avait intégrée donc dans Activity Main. Une fois que c'est bien récupéré en format bitmap, il suffit que je remplisse mon text et bitmap, donc en faisant un set text. Et à l'intérieur, je vais appeler ma méthode que je viens d'écrire bitmap to string en lui envoyant bitmap que je viens de créer juste au-dessus à la ligne au-dessus. Voilà, c'est tout pour ce qui est donc de la transformation de l'image en texte. Maintenant, j'ai besoin de faire le contraire, donc j'ai besoin d'une autre méthode. Alors, je vais donc c'est une méthode qui reçoit du texte et qui transforme en bitmap, donc qui va retourner un bitmap. Voilà. Alors je vais l'appeler le contraire de l'autre, hein, c'est-à-dire string to bitmap. Et cette fois-ci, cette méthode, elle reçoit un string. Donc je vais dire que ça contient quand même une image, une picture. Ok. Alors, comme d'habitude, je mets un commentaire et là, transforme un texte en bitmap. Ok. Donc maintenant, dans cette méthode, alors, je vais d'abord déclarer en local un bitmap que je vais appeler bitmap. Qui va être rempli et qui va être retourné à la fin, mais si jamais la transformation s'est mal passée, il faut quand même qu'il retourne quelque chose et il retournera nul au cas où. Et puis derrière, je vais essayer donc de décoder mon image, hein, le picture que j'ai reçu, hein, le string, de le décoder et pour ça et pour le retransférer dans un tableau de bytes. Donc là, je vais mettre un tableau de bytes. Alors, donc crochet. Voilà, et que je vais appeler decode string. Et là, je passe par la classe base 64, comme tout à l'heure. Et base 64, j'appelle decode. Donc, je prends le picture que j'ai reçu en paramètre
Et en deuxième paramètre, je fais pour le flag, je fais un base 64 default. Voilà. Et puis derrière, ben, cette fois-ci dans bitmap, je vais faire la transformation du tableau de bytes en bitmap. Et pour ça, je passe par bitmap factory, qui est un peu plus bas ici. Voilà. J'appelle la méthode décode byte array, c'est celle-là que je veux. Et je lui envoie comme premier paramètre le tableau de bytes, donc le decode string. En deuxième paramètre, le offset 0, et j'avoue que je ne sais plus à quoi ça correspond. Et là, en longueur, je lui envoie le decode string.length, la longueur donc du tableau. Voilà. Alors tout ceci peut très bien mal se passer, puisque effectivement, si jamais le texte ne contient pas une image, alors on va mettre tout ça dans un try catch. Voilà, catch. Et on va récupérer n'importe quel type d'exception. Et puis à l'intérieur, on peut très bien soit rien mettre, soit faire un log day par exemple, hein, un affichage de pour dire qu'il y a eu un souci. Donc si je fais un log day et je vais mettre erreur. Erreur. Et puis derrière, texte non convertible. Par exemple. Alors évidemment, il n'est pas content sur le log D, il ne le connaît pas, il suffit de se mettre dessus et de faire Alt Entrée. Alors, j'ai mal géré Alt Entrée. Voilà. Et bien à la fin, soit notre bitmap est resté à nul parce que la transformation s'est mal passée, soit il contient bien le bitmap retransformé. Donc j'ai plus qu'à retourner ce bitmap. Voilà, là c'est terminé pour cette méthode qui fait le contraire donc de la précédente. Je vais pouvoir appeler string2bitmap ici, sur le clic du bouton string2bitmap. Donc pour cela, je vais l'idée c'est de remplir image result avec l'image qui a été créée avec la méthode précédente. Donc pour cela, je fais un .set image bitmap, puisque ce que je lui envoie, c'est un bitmap. Donc il faut que je passe par la méthode setImageBitmap pour qu'il transforme l'image bitmap en quelque chose d'affichage dans le ImageView. Et là, j'appelle ma méthode stringToBitmap. Et qu'est-ce qu'elle attend? Ben, elle attend le texte qui doit être transformé. Et ce texte, je l'ai dans txtBitmap.getText. Et il faut que je le transforme en string, donc .toString. Donc là, je récupère le texte. Vous voyez que je ne pars pas de l'image précédente, je pars bien du texte qui a été généré précédemment et j'essaye de le retransformer en image. Voilà, le programme est terminé. Eh bien, on va pouvoir tout de suite voir si ça fonctionne. Donc, je lance. Alors, vous prenez l'API que vous voulez, en fait, la présentation que vous voulez pour pouvoir exécuter. Vous pouvez l'exécuter aussi sur votre téléphone si vous le branchez. Donc, c'est parti. Voilà, le programme s'est lancé, donc on retrouve l'image que l'on avait au départ sélectionnée, enfin enregistrée donc dans le projet. Et si je clique sur le bouton bitmap vers texte, à ce moment-là, il va transformer l'image en texte. Alors, vous ne voyez que les 10 premières lignes, hein, puisque j'avais demandé d'affichage que des 10 premières lignes. Si vous faites un log D, vous pourriez voir dans la console l'ensemble de la transformation. Et puis, si je reclique sur texte vers bitmap, où là, il part de ce texte-là pour pouvoir recréer l'image, eh bien, vous voyez qu'il recrée correctement l'image, exactement comme celle qui était en haut. Donc maintenant que vous savez faire ça, vous allez pouvoir facilement envoyer une image via le réseau. Donc là, par contre, je vous renvoie vers les vidéos du TP Android qui permettent de faire des transferts vers un serveur distant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt et surtout, pensez à coder.